Bonjour, je voudrais savoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, me revoilà pour vous présenter deux petits modes. Ah, deux petits modes. Ah, c'était déjà du conséquent. Hein. Ça, c'est les mixeurs à cochon. Là, c'est le mixeur alimentaire cochon. Là-haut, un peu plus loin, vous devez voir le bidule rouge, là-haut, près du camion. Il est là. C'est le mixeur à vache. Et tout est prêt, hein, je vous attends. Pour info, du côté là, l'appareil, il prend pommes de terre ou betteraves et le soja. Et de l'autre côté, il prend le blé et le soja, du côté là. Et les betteraves et le maïs du côté là. Du côté maïs, betterave, côté gauche par rapport à la sortie. Et les grains côté droit par rapport à la sortie. La sortie, c'est ici, c'est sous forme de palette de 4 tonnes. Pas de 4 000 litres. Ça morfle, là, je vous le dis. Donc, on va se trouver. Voilà. J'ai oublié de le descendre. Donc comme vous pouvez voir aux gens qui me suivent et qui connaissent un peu FS17, le Tatra il est plus trop d'origine. Il a déjà une garde au sol améliorée, un centre de gravité un peu plus haut du fait. Ne vous inquiétez pas, il sera redescendu pour la sortie. Le moteur a été revu. Bon là il a un peu trop de watts, hein, faut que je refasse la courbe du moteur. Mais ça va. J'ai vu pire comme comportement. Je vous assure, j'ai vu pire. Largement pire. Rien qu'à prendre une crone, et on est déjà calmé. Je voudrais dire à tout le monde que dans Farming Simulator 17, les développeurs ont mis une masse à chaque... Putain, vas-y. À chaque fruit, en fait. À chaque type de fruit ou autre chose, on a une masse différente. Donc, c'est-à-dire, les pommes de terre, c'est hyper lourd par rapport à du grain de maïs. Comme l'ensilage, c'est l'une des matières les plus lourdes du jeu. Mais si vous prenez de l'herbe, c'est pas lourd du tout. Que vous pouvez mettre 150 000 litres d'herbe dans une remorque, la remorque elle bronchera pas, quoi. C'est des prévus à 70 000, elle bronchera pas la remorque. Mais si vous mettez 180 000 litres d'ensilage dans une remorque qui est prévue d'en prendre 70 000, laissez tomber, vous avez une collision 3D. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous avez la remorque qui va sauter sur place. Donc bref, ça c'était la petite anecdote des développeurs. Et donc là on va commencer par les vaches, c'est le plus simple. Donc lui il va rester là. Ah, j'ai oublié le grain, je sais qu'il me faut du grain, donc je vais vous en chercher. Parce que il y a différentes quantités pour les cochons en fait. Les grains, il n'y a que 1 000 litres de grains. En fait, c'est du blé ou de l'orge. Voilà, j'en ai assez. Bon, la musique, non. On va vider ça. C'est un peu critique, hein. Il y aura une vidéo de Maru qui va nous expliquer tout ça dans les détails dans les prochains jours, mais pas tout de suite, tout de suite. Ils ont quand même autre chose à faire, les gars, qu'à de faire des vidéos. Donc moi, je les précède un peu et je vous explique un peu ce qu'ils vont expliquer, mais en français. Donc là, voilà ce que je vous disais. Vous voyez bien, ici je peux. J'ai beau cliquer le bouton. Vous entendez mon bouton. Y a rien qui veut savoir. Au pire, il veut me décrocher la remorque. Vas-y, dégage ton nom. Vous voyez, j'ai beau appuyer sur I, hein, y a rien qui fait. Il y a deux emplacements. Quoi, sérieux, je suis déjà plein. Bon, je vais vous montrer les emplacements quand même, que vous dites pas que je suis un mytho ou autre chose. Donc là. Là, vous devez le voir, bah, vous faites avec. Ici, il y a l'emplacement du blé. Là, il y a l'emplacement du colza et des protéines. Là, il y a l'emplacement. Ça, c'est l'emplacement pour l'affichage THF1. Ça c'est l'emplacement patate, et là c'est l'emplacement maïs.
Ça va, vous comprenez? Ça va. Bah, vous voyez, là, elle a déjà commencé à produire. En fait, quand les trucs, là, ils s'allument, ça veut dire que ça produit. Et donc, vous voyez, hop, j'ai 8000 de fruits de base. J'ai mes 1000 litres de grains. J'ai mes 10 tonnes, mes 10 000 litres de protéines. Et j'ai mes 10 000 litres de fruits de la plante. Des fruits, des tubercules. Et j'ai 83 litres dans ma palette. Et vous voyez, c'est sous forme de palette. Hein, vous prenez votre pick-up, vous descendez, hop, bim. Bah, moi, j'ai laissé le plateau là. Hein, c'est pas pour faire joli. Donc, voilà. Donc, je raccroche ma remorque. Parce qu'on en aura besoin un petit peu après. Hop, j'enlève ça. Ça sera plus joli. Ce que je viens d'ouvrir, c'est les commandes développeurs. Hein. Je vous donnerai pas les commandes, vous avez qu'à chercher sur internet. Et c'est réservé à des gens qui savent quand même un minimum modder. Et qui comprennent aussi le script. Et beaucoup d'autres choses. Mais qu'est-ce que je fais? Ah! Et merde, putain. Un brisac. Faut que je change de direction sur ce camion. Faut que je foute des roues arrière directrices, ça, il brode pas assez. Donc bon, bah là, on va attendre que ça produise. Et nous voilà. Au niveau des bavages. Ouais, petite apartheid. Donc, un silo d'ensilage, j'ai fait le test, hein, vous pouvez voir là, bon, ça arrivait jusqu'à la limite, des deux côtés, carré, un vrai pavé, hein, le tas d'ensilage, 2135 litres. 2135 tonnes, je veux dire, d'ensilage. Fait avec le champ là, je vous dirai pas comment. En un seul champ, j'ai réussi à faire ça. Donc, ici on met le foin pour revenir à nos bestioles. Ici on met le foin en vrac, ou ouais, en vrac ou en botte. Ici on met l'ensilage fermenté, bien sûr, en vrac ou en botte. Et ici on met la paille en vrac ou en botte. Et je vais vous montrer tout ça. Et ici ça nous sort la ration totale mélangée pour les bavaches là. Et ça monte à 20 000, et chacune a une quantité de 10 ou 20 000. Bon, on va voir ça tout de suite. Et toujours le camion, hein, qu'elle a, hein, toujours le même. Hein. Les meilleurs modes, hein, on les garde. Hein. Celui-là, entre parenthèses, hein, les camions russes, hein, c'est les seuls modes que je ne modifie pas. Donc, nous autres, Européens et Américains, ça serait bien qu'on prenne conscience qu'il y a des gens qui font du travail en... Et ça, c'est une V1, le camion. Il n'y aura pas de V2 sur le camion. Il sort du premier coup, il est bien. Il est tip-top du premier coup. Donc, moi, je pense qu'il y a un petit souci dans le modding en Europe. Mais pas à l'étranger, hein, en Europe. On doit se prendre pour des dieux, alors que, sérieux, on a rien de pour... on n'a rien de dieu, quoi, en modding. Sérieux. Ouais, je sais, ça fait pas très cool, c'est juste l'approche comme ça, c'est un peu dégueulasse, je trouve. Mais bon, hein. Faut bien qu'il y ait des défauts dans un jeu vidéo quand même. Bon, si c'est que ça le défaut, parce que j'ai trusté le système, voilà. Et voilà, vous voyez, ça remplit. C'est pas que je l'aime pas, hein, mon petit truc, hein, mais c'est que ça va pas assez vite. Hein. Ta 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 ta, on va se promener. Et ouais, je vous informe que Black Sheep Modding, hein, je le respecte, hein, il fait du très bon boulot, mais son truc là, il est blindé d'erreurs. Mais quand je dis il est blindé d'erreurs, il y a 7 lignes d'erreurs. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Attendre après des modes comme ça vaut même pas le coup d'attendre, parce que moi je l'ai repris, hein, il est complètement modifié, il n'y a plus d'erreurs. Et vous l'aurez pas. Si vous le voulez sans erreur, vous demandez à Black Sheep. Je vais pas faire le travail des autres. J'en fais déjà assez. La petite astuce de la soirée, il n'y a pas besoin de fourche à bottes pour des bottes. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, juste un grappin. Hein, la fourche en silage, ça suffit. Vous en prenez 8, 10, 12, si vous êtes bon. Voilà. Est-ce que je fais ça même avec des fourches à palettes, hein?
Et j'ai pas de lock hein, dessus, hein. Elles sont pas lockées les bottes. Hein. Elles sont juste prises dans les pics. Faut savoir que dans FS, du moment que ça dépique, bon, on peut piquer. Mais avec une fourche à palette, on peut prendre des bottes. Ouah, elle est déjà partie ma botte. Ah bah non en fait ah putain je l'ai mise à la mauvaise place. Je vous dis à gauche, je vous dis le foin à gauche, la paille à droite, l'ensilage au milieu, je fais l'inverse. Oh, c'est tout moi. Normal hein. Ça serait pas un live hein, sans une boulette. Hein. Et je vous dis c'est presque mieux de les mettre en botte que de les mettre en vrac. Parce que si vous les mettez en vrac, tout à l'heure j'ai eu le cas. Bah, ce matin quand j'ai fait mon mini test voir si ça marchait déjà ça peut se mettre à l'intérieur, ils ont pas assez élargi les triggers pour le trigger godet en fait. Bon c'est pas grave hein, c'est qu'une V1, les gamins qui ont fait ça et c'est des gamins et je vous assure qu'ils ont 10 et 15 ans. Donc s'il vous plaît respectez leur travail. Parce que sérieux, il n'y a pas d'erreur, ça fonctionne du premier coup. Ça fait plaisir de jouer avec un tel mode. Parce que pour savoir ma rue, ils sont pas à deux doigts de partir, mais pas loin. Parce que on respecte pas leur travail en fait. Si vous téléchargez des modes à ma rue, s'il vous plaît, les gars, ils vivent de ça. Donc faites les DL sur les liens d'origine et non sur mode hub en téléchargement direct. Ouais, je sais, c'est casse-couille, mais bon, personnellement, c'est vous qui sortez la carte bleue pour payer le DL. Non, donc c'est la pub qui paye. Donc le minimum, ça serait de respecter nos liens d'origine. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de modeur. Parce que quand je vois des mods que je les publie sur un site et que je les retrouve ensuite sur 12 sites différents, et qu'au total, je me suis fait télécharger un peu plus de peut-être 50 000 fois, et qu'en tout pour tout, on a utilisé mon lien d'origine un peu plus de 1000 fois, je vous laisse... imaginez que les 95% de mods que j'ai là, alors si, ils sont pour moi et pas pour vous. Parce que rien que modifier le tracteur, un tracteur, un moteur de tracteur, pour qu'il soit bien fait, il faut au moins 2-3 jours facile. Et quand je dis 2-3 jours, c'est pas après le boulot, hein. Non, non, c'est 2-3 jours, 8h-16h. Hein. Donc, on va mettre du foin. On a mis toute la paille. Hop, on a l'ensilage. Voilà, 8000. Il est où le Dots? Anti-tracteur. Il est là-haut. Allez, avance plus vite. Ah, putain, déjà 13 minutes que ça tourne. J'ai rien fait. Oh, what the fuck. Donc, bon, on va mettre de l'herbe. Avec mon nouveau jouet. Vous en pensez quoi? Il est chouette. Hein, il est beau, hein. Et je vais vous montrer de quoi est capable Store Remorque, hein, sachant que c'est du perso, hein, si vous voulez la même, vous me le dites et je vous la mettrai en DL. Voilà, je vais vous la vider quand même que vous compreniez l'intérêt d'une telle machine. Parce qu'on a des tels tonnages d'ensilage ou des silos tellement pleins, tellement balèzes à remplir que... je me suis un peu énervé sur le XML d'une remorque. Et pour info, la map c'est toujours Central Valley 1.8.3. Donc voilà, le temps que ça produise un petit peu parce que les trois produisent.
Je vais vous montrer qu'on a exactement les mêmes XML que dans FS13 et qui nous ont fait le même coup que sur FS15. Donc si vous voulez faire un portage de... Si vous voulez porter vos mods, faire un transfert de mods de FS15 vers FS17, vous allez galérer. Mais si vous le faites de FS13 vers FS17, allez, vous avez 70% de chances de le faire beaucoup mieux. Parce que tous les portages de mods, alors si... Tout ce qui est Europa, Terra Felis qui sont sortis il y a 2-3 jours, donc on est mardi fin novembre. Ceux qui sont sortis dimanche après-midi ou dans la soirée de lundi, c'est que des modes de 2013. Voilà. Pour petite info. Et donc vous voyez là, j'ai fait à peine 10 mètres dans le champ, j'ai déjà 38 000 litres d'herbe dans ma remorque. Bon, je sais, c'est cheaté, mais bon, je joue en solo, et si vous voulez que ça avance un petit peu sur les modes, bah, il faut cheater. Parce que les gars qui me disent, ah, il n'y a pas d'intérêt à cheater l'argent dans farming, le gars, je lui rigole au nez dans le 17. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, là, en espace de 5 minutes, on a largué plus de 130 000 litres d'herbe. Puis vous voyez le petit tracteur là qui est dans le case avec le truc bordélique de Black Sheep Modding. Lui, il est apte à tasser les 2300 tonnes d'ensilage que vous voyez. Et rien qu'en mettant une roue sur le... Et je suis sérieux, hein, il met une roue sur le bordel et il est tassé. Je vous ferai la démo demain, je fais une vidéo pour vous montrer ça et il sera bientôt en DL. C'est tout con, hein, c'est pas une modif qui m'a pris beaucoup de temps, hein, c'est une ligne de code. Donc voilà. Mais étant donné que je l'avais déjà dans le 15, je l'avais dans le 17, voilà. Mais je suis pas plein là, qu'est-ce qu'il me fait? Vas-y, recule. Une espèce de François Hollande là, et putain de flamby, va, recule, avance. Oh là là. Ah, puis vu-moi qu'il soit plus là. Bon, on n'est pas là pour parler politique. Et je vous informe qu'à partir de lundi, au fait, j'ai retrouvé un travail suite au licenciement de Point P. Ouais, je peux le dire, hein, je me suis fait licencier de Point P. Mais j'ai retrouvé un CDI, là, lundi, je commence. Et sans période d'essai, sans rien. Ils savent pas travailler dans le Rhône-Alpes. Donc je vais vous faire la démonstration, là, vous voyez, je fais un bon gros tas, le truc impossible à tasser, avec même un Dutz, même avec mon Dutz, là, je passe dessus, le tas, il rigole au nez. Je vous montre. Parce que c'est toujours en train de produire. Donc j'arrive à 1%. 1%. J'ai traversé 1%. On est tous d'accord. On va vérifier la TH, hein, mais on est d'accord. On a traversé avec un truc qui fait 12 tonnes. Machin là, qui fait pas loin de 9 ou 10 tonnes à charge, à vide. J'ai pas tassé 1%. Là, je vais prendre mon petit tracteur. Vous voyez, je suis dans le silo. J'enclenche la marche arrière. Et j'appuie sur le régulateur de vitesse. Hein. Je suis à 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ah là, j'ai fait 11% de tassage. Rien qu'avec mon petit tracteur. Donc je voudrais savoir, le monsieur là, il a fait un super boulot, le modder avec le Dutz. Mais s'il était capable de nous mettre la ligne de code qui correspond, je vais pas la dire en live, parce que bon, après tout le monde va cheater ça, et voilà, il y aura plus d'intérêt d'avoir des modders. Donc voilà, si un jour il me regarde, voilà. Et si vous voulez le réglage là, une fois que vous savez c'est lequel, hein, vous pouvez mettre une valeur telle que vous mettez une... Vous effleurez le tas avec le tracteur, et j'ai bien dit vous effleurez le tas avec le tracteur, vous tassez la totalité. Et vous pouvez le bâcher. Je sais, c'est pas très réaliste, mais bon, les gars, on est quand même dans un jeu vidéo. Il y a déjà assez de simulation pour pas se casser le cul à tasser un tas de 2000 tonnes. Bon, après, c'est mon avis. Après, si vous avez que ça à faire de vos journées, tant mieux pour vous. Moi, j'ai pas que ça à faire. Et voilà, donc le tas, il est bien tassé à 100%. J'ai pas pris 2 minutes pour le faire. Donc on va retourner près de nos meumeux. Et vous voyez, ça produit tout doucement.
Et je vais vous montrer que c'est bien de la ration totale mélangée avec le petit godet. Et je vous conseille le petit Bobcat là, même celui d'origine. Parce que les godets du manuscope, ils sont trop gros en fait, et ceux du tracteur, bah, ils font 1800 litres, et celui-là il fait 2000 litres. Hein. Donc, quitte à faire, hein, on prend le plus gros. Donc voilà, là vous voyez bien que je produis de la ration mélangée, j'ai bien le logo dans le godet, hein, l'espèce de fleur. Je sais pas, l'espèce d'herbe touffue, espèce de touffe d'herbe biseautée là. Donc voilà, c'est bien de la ration totale mélangée. Donc maintenant, on va aller voir nos amis cochons. Qui sont toujours à l'état de production, il n'y a même pas la moitié de la palette. Attendez, bon, je reviens, je vais chercher le 4x4. Ah, 4x4, ah, pick-up, ah, voilà, pick-up. Vas-y, démarre, crétin. Bon, pareil, grand respect au modeur, mais bon, on pouvait pas savoir que Maru allait nous sortir des palettes de 4 tonnes. Donc voilà. Le pick-up là pour l'instant vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire par bug de collision 3D. Là je vais mettre la palette là de 4000 litres sur le toit du 4x4 et vous allez comprendre ce que ça fait de surcharger une remorque à pas le châssis qui est prévu pour. Et croyez-moi, je vais vous montrer un mode. Hein. Tout le monde l'a téléchargé, hein, mais surtout, supprimez-le, il sert à rien le machin. La remorque, elle est le fameux man à Elmer, le Elmer man. 3 essieux, la remorque, c'est une SRB35 à 3 ou 4 essieux. 3 essieux, en rouge, avec les écriteaux blancs. Elle est prévue d'être à 75 000 litres. Vous la chargez en ensilage de 75 000 litres. Les roues, elles traversent le garde-boue et les amortisseurs aussi. Donc, je voudrais savoir si le mec, il nous prend pour un jambon ou pas. Est-ce que ça sert à rien de sortir des mods si des gens comme moi faut qu'ils passent encore 10 ou 20 heures dessus pour sortir un mode potable? Et quand je vois la V2, le gars il a même pas corrigé la V2 sur les amortisseurs de la remorque. Sa V2 elle correspond à quoi? À changer la texture, c'est tout. Voilà. Je suis pas un parfait modeur, hein. J'ai des erreurs aussi, hein. Mais ne serait-ce que quand on sort une remorque, qu'on la teste avec tous les fruits. Est-ce que si les gars ils sont pas assez futés pour comprendre que dans Farming 17, le poids de 1 mètre cube de patate ne correspond pas à 1 mètre cube d'herbe, bah c'est qu'il a pas tout compris à la vie. Et puis là je viens de réaliser qu'on peut prendre la palette, qu'on peut déjà se mettre dans la palette, et ensuite la charger, elle continue encore à se charger. Donc vous voyez, même lui, hein, il tique, hein, le chariot. Hein. Faut que je mette les 4 roues. Donc voilà. La palette elle fait 100 points, hein, je vous assure. Elle fait deux palettes normales. Hein. Donc il y a un réel avantage à avoir une telle machine pour faire ses cochons. Parce que vous voyez déjà, je galère comme une pute le soir après sa journée à mettre la palette sur mon toit. Et vous allez voir comment que le 4x4 il va s'affaisser. Je me serais cru chez mon ancien patron à charger des pick-up comme ça. Parce que ça, chez Point P, hein, on le fait, hein, même s'ils disent ouais, surcharge, il faut pas. J'ai déjà fait partir des camions avec de charge de 800 kg avec 3 tonnes sur l'essieu. La patronne, comme par hasard, elle dit rien. Parce que vous voyez, même la palette, elle a du mal à tenir sur le. Ça va être chaud d'un œil d'arriver au cochon. Ça pue ça. Et donc vous voyez ce que je veux dire, vous voyez la voiture, elle tremble là, quand elle est sur le côté.
Et elle bouge là, la voiture. Donc, là c'est un peu normal, hein. Le gars il pouvait pas savoir qu'on allait mettre 8 tonnes, 4 tonnes sur le toit d'un pick-up. Ce qui est quand même pas très logique. Bon, ça je vais le reprendre, hein. Mais quand je vois le tatra qui est derrière, que vous voyez là devant, là, où j'ai été obligé de rajouter 20 cm de garde au sol et quasiment 10 kg de pression dans chaque amortisseur du camion pour qu'il supporte ne serait-ce la petite benne de 24 000 litres, alors qu'on en a qui montent à 49 000 litres, je vous explique même pas le saut du camion quand vous chargez le conteneur. Vous mettez un conteneur de bois sur le camion il bug. Il n'y a pas photo. Et les gars, faut se dire que là, dans les amortisseurs, dans FS17, va falloir les travailler, mais comme un moteur. C'est pas le tout d'avoir un beau mode. Maintenant, il va falloir tout d'avoir une physique qui va avec. Et croyez-moi, ça sera pas donné à tout le monde d'avoir une physique potable sur son mode. Parce que quand je vois le travail que c'est, mes deux camions, le spécial BGA, là, il y a la V2 qui va sortir. Ça sera la version finale. Mais croyez-moi, le premier qui se plaint, je vois pas en quoi il va pouvoir se plaindre, parce que personnellement, 180 000 litres d'ensilage fermenté, je monte sur le silo de biogaz bâché. Blindé, je monte dessus. Voilà, je suis avec cochon. Puis bon, moi j'ai ma petite méthode pour décharger le 4x4. Hop. Badoum. Vas-y, avance au lieu de bugger là. Oh putain, c'est une orgie. Voilà, on descend. On monte là. Hop, on remonte dans le 4x4, on enlève les sangles. Et c'est la pesante, c'est la gravité qui fait le reste. Et hop. Et vous voyez, et en plus, ça charge mon godard en même temps. Donc, ça c'est une méthode de bâtard de feignant. Et vous allez voir, la palette elle va disparaître et j'aurai mes 4000 litres dans le godet que j'aurais plus qu'à mettre dans le truc à cochon. Voilà, les vaches, vous pouvez les stocker, voilà, vous faites un bâtiment, vous mettez quatre bordels par terre, vous faites ce que vous voulez avec, vous vous foutez dans une remorque, voilà. Et bon, voilà, moi j'ai rien à redire sur ces modes, hein, je le conseille à tout le monde. Les liens pour les avoir, vous allez sur le site, je les balance pas. Vous cherchez, il y a Google, vous tapez maru.net et vous allez tomber sur leur site tout de suite. Hein. Et vous avez qu'à chercher sur leur site, il est à jour, à clair, c'est pas LS2015.quez, là, le bisule où tu chopes des virus à gogo, dès que tu télécharges un mode. Est-ce qu'ils sont pas foutus d'avoir un pare-feu correct? Ensuite, je vais vous montrer quand même, on sait jamais, une petite évolution. Non, bah j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. Parce que le reste, ça reste à ma vue, et voilà. Pour l'instant, c'est secret. Donc bon, bah je vous remercie bien pour cette visite. Pour tous les gens qui vont regarder la rediff, je vous remercie. Et si vous avez la moindre question, j'ai ma page Facebook FS17 Helper FR. Donc sans les abréviations, ça fait Farming Simulator 17 Helper France. Voilà, vous tapez ça sur Facebook, en logique vous me trouvez. Donc voilà, je mettrai un lien dans ma description de chaîne YouTube un jour, quand j'y pense, c'est que j'ai le temps. Et voilà, en tout cas, je vous remercie bien pour le visionnage. Et si vous avez la moindre question, le moindre souci, demandez-moi.